صاحبي جميلة، مرحبا بك. لك وهلا ميرسي. صحة رمضانك. الحمد لكم انتم ثاني. ميرسي بور لانفيتاسيون. ميرسي جيم بيان تو سكي تراديسيونيل دونك جو بيان. Je disais tout à l'heure, l'émission est consacrée aujourd'hui à la circoncision. Nous avons vu bien évidemment le côté médical avec le docteur Waliken. Et aujourd'hui, on est là avec Madame Jamila. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur la circoncision, sur la tradition de circoncire nos enfants, les Tlinos, les Tibabashrin? C'est-à-dire les parents, ils aiment... Oui, ils choisissent. Mm-hmm. Parce que l'enfant a l'âge aussi, il est en âge de le faire. Sinon, si ça dépasse un certain âge, c'est plus douloureux, c'est plus... Voilà. Donc, ils essaient de faire ça avant 4 ans, avant 3 ans. Oui, c'est ça. Surtout maintenant. Maintenant, c'est encore plus jeune, encore plus jeune. Mm-hmm. Ça commence à se faire très, très jeune. Bébé, même. Je me rappelle très bien. Ça m'a marqué. Mais j'ai vu mes frères. C'est un hafaf, on l'appelle hadjam. C'est avec un couteau normal. C'est plus douloureux que maintenant. Et il venait... Il y a l'anesthésie et tout. Il se déplaçait chez des... La maman, elle souffrait à la place du gosse. كانت عندها الطبيعه يديروها في المرج ليها ويحطوا لها الموس فيها باش فاهم باش ما لا لام دي كوتو بين سنانها باسكو تزيد باش ما تسمعش لا دولور تاع وليدها تحسوا جيتي بلو بلو جوجي حجام حتى رجليك في الماء يبردوا سي سا كان وصلت لا دولور باسكو وليدها كمان. Alors qu'est-ce qui se fait concrètement dans la tradition madame Jamila? C'est-à-dire avant ou les préparatifs pour la fête? Non, pour fêter justement. Oui, pour préparer l'enfant pour oui faire Ramadan. Ramadan, il n'y a pas grand-chose. Mm-hmm. C'est toujours les parents les plus proches, les grands-parents des deux côtés, peut-être quelques voisins. Mm-hmm. Et ça se passe... Justement, c'est juste les grands-parents qui viennent. Justement, parce que vous avez marqué l'événement. Avec un bon déjeuner, une petite soirée. Le iftar, c'est pas pareil. J'imagine que les préparatifs ne sont pas les mêmes. Bah oui, les préparatifs ne sont pas les mêmes. Même moi les plus proches. C'est carrément un skibera. C'est tsdera, itsdda. Mais c'est le tsdera. Oui, il baisse bien la rosa. J'ai mes enfants. Oui, on saura pour que moi je souhaiterais leur faire cette. Oui, ils ont le henna wahab. Ils diront le henna. Oui, ils قدموا لهم وانا نقدم لهم. Ils diront le henna en public. قدام بزرناجيه ولا بالالي تحفوا. خليت له شعر طويل. Ils vont le hammam avant. On les emmène au bain. Ils ont un bain qui la rosa. D'accord. Oui. Comment, qu'est-ce qui se ça, c'est pas Ramadan, mais Fleftar, c'est plus grand. Ramadan, c'est très intime, c'est très petit. C'est très... Mais Fleftar, non, c'est chaud, la rose, ça trie de l'eau. D'accord. Et jamais, etc. Je les ai toutes. Hein. J'aurais dû vous les ramener. Oui, Fleftar. Oui, donc le khtana, donc c'est un événement les différents bin Ramadan, les gens qui veulent faire passer ça très vite en intimité. Ramadan, c'est une petite soirée vraiment sereine. Il y a pas trop de dépenses. D'accord. Mais après, quand c'est le Ramadan, donc quel est le rituel justement, Madame Jamila, qu'on puisse en parler? Non. كبيرة أنا كبرتها جابي بلو 7 جوغ يقول لك سبع ليالي وسبع ليالي وسبع ليالي سي فري درناها سمون مون فيس تو تران دو ريغاردي جو في سا اي كانت إلا بو لا كاسيت زعاز عفا لي كونستيت بتاع روسا وخلاص هي لا ريزون اي جوستومون كيس كي سو في سي اون لا بريباري تدي الحمام توجد له حوايج وتخيط له تدي الخياطة الوغ لي في بلين شوز لي في البيجاما تاع التحفيفة لي توت سامبل ومن بعد الاخرى تاع تصديره باسكو بكري العروسه على في بينوار اوسي وي دونك هو ان بيجاما سي كوم سا في تاع البروكا كوم عري الصغير بروكا ما نحطش الشبه روح برك تقول لي زيد او ابري سا الى ان توني تراديسيونيل سروال مدور بدعيه شوشوبيا Non, non, on ne dit pas l'oubia, jamais. Je voulais justement, il n'a pas le nom de l'oubia. Justement, je voulais faire intervenir Hamidou. Je pense que c'était pour rire qu'il a fait ça. C'est ça. Oui, on continue. Et bien habillé, il y a chaque fois, c'est le tzidroïma, ou la mortrale, ou la khto, ou n'importe qui. Mais quelqu'un de... Voilà, lui il scoute l'eau, mais qui est louche. Voilà, il choisit toujours les tiennes. Mais j'ai une petite question, justement, parlant de ça, comme je suis dans le domaine, donc il m'était souvent. J'anime souvent des circoncisions. Des fois, il est aussi comme l'ars, qu'il y a un peu. À la base, souvent, je. C'est pour ça qu'ils font ça. Donc là, ils font la fête. C'est drôle, la salle ou la salle. On fait ça. Au Maroc, je me fais une fête. C'est Oui, c'est vrai. Il y a la peur qu'il est enregistré déjà au Sahara. Il y a la peur qu'il est enregistré déjà au Sahara.
semaine, genre, donc il faisait de la galère, mais il fallait que je te drôle. Donc on préfère quelquefois le faire avant de se faire. Il y a aussi notre famille qui procède autrement durant le mois sacré de Ramadan. Il y a un filtre dans le carré de Nosfia pour avoir le baraka et tout à Ramadan. Le temps qu'il guérit l'enfant, il se bat là où il faut. Et le Sahara. Et le Sahara, j'ai vu des fêtes avec le Henna, Tazdea, Zanadia. Oui, le Henna, oui, vraiment plein. Juste une grande salle, le Henna, vraiment. Il y a le Gendora. On va parler justement de le Henna. C'est très important. Le Henna, c'est systématiquement. Et après le Gendora, c'est le costume, le beau costume, trois pièces. Trois pièces. Moi, je les ai tous, je vous ai dit, à mes enfants, je les ai tous. D'autant plus qu'ils n'avaient pas le même teint. Donc, j'ai fait trois couleurs de tenue à Géroise. Un bleu nuit, un rouge, puisqu'il est blanc. Ou l'autre, il est brun, j'ai fait un miel. Donc, chacun sa couleur, chacun sa tenue. Donc, on prépare bien avec Tbaqta. Non, on le prépare. On le prépare bien. J'ai remarqué qu'il y avait une différence entre Tbaqta al-Aoussa et Al-Mkhattin. Donc, c'est pas pareil. On n'a pas les. Justement, vous êtes là pour nous expliquer, Madame Jolie. Qu'est-ce qu'on met justement dans Tbaqta al-Mkhattin? C'est sa grand-mère, des petits œufs à dos, des l'henna, des mazhar ou la maward, chumakhbeh. Ou t'hennilo sa grand-mère, ou t'hennilo sa petite pièce, ou là. Et on passe à tous les autres qui ne sont pas encore. Même ceux qui l'ont déjà fait, on passe par tous les petits-enfants. C'est ses copains, quoi. On fait pareil pour la rosa, on passe aux jeunes filles. Aux célibataires. Ceux qui sont pas mariés, les célibataires, on passe, on leur met un peu de henna, c'est tout. C'est resté toujours dans les traditions, ça n'a jamais été autre chose que les traditions. Mais ça marche, apparemment ça marche. C'est beau, c'est bien, Nia, c'est très beau aussi, on aime bien avec l'ambiance. On aurait dit qu'on aurait dit qu'on aurait dit le henna ou une dame. Oui, voilà. Donc, mais le Ramadan, c'est à peu près comme qu'ils sont. C'est presque la même soirée, les mêmes invités, les plus proches, ses grands-mères, ses grands-pères. D'accord. Voilà, et justement, quand on parle de henna, il y a aussi le henna, tu as le henna, enfin pas le henna, le qadam, tu as le henna. Il est différent de ce que je veux dire. Oui, je sais pas, à peu près une phrase ou les autres. Qu'est-ce que tu as? Non, c'est le même. C'est le même. Jusqu'à maintenant. Moi, contrairement à ce que vous êtes en train de dire, je flairais les j'anime souvent. Ah mais dis-moi que tu as le cas. Non, même chez tu as le henna souvent, mais tu as été dans le henna dans la salle où ils viennent me demander eux. Mais alors c'est la mariée, ça je parle de mkhattin. Rahounaga les pas. La mariée pas d'eau parce que ça continue. On fait même si on le fait pas dans la salle, on le fait intimement à la maison. Un moment très très agréable, très émouvant également. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous toutes ces informations. L'émission touche déjà à sa fin. Merci de nous avoir prêté attention.